De l'Odyssée, on en est où là d'ailleurs? Ok. Donc on n'est même pas encore, on est encore en Italie et là on va traverser la Suisse. Putain, on n'est même pas à la moitié du trajet là. La parole. T'allais dire quoi encore là? Ah voilà, tu vois? Hein? Ah mon gars, tu vas pas être content, je vais arriver en France. Mais je m'en fous, je vais faire le dernier convoi toi. Non. Vas-y là, c'est moi qui le fais. Non, tu feras pas le dernier convoi. Regarde, je vais arriver à peu près vers Strasbourg. Après, toi, tu vas arriver vers Liège. Et après, moi, je finis. Non, je m'en fous. Ah, si, si. Je crosse. Si, si. Non, je crosse. Donc voilà, j'espère arriver jusque là-bas, moi. Alors, j'ai question d'air fait. Sur la vidéo précédente, j'ai fait n'importe quoi. Mais on sait, on a vu. C'est tellement con. Qui? Toi, t'es con? Non, on l'avait vu. Je demande qui est devant la caméra. Bon, là, on... Bon, là, on fait un peu chauffer le moteur parce qu'il n'y a plus d'air. Il n'y a plus de pression d'air. Merci la rectification. Ben, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air. Oui. Même si il y a de l'air dans le camion, non? Oui, il y a plus... Bah, c'est comment il respire. Avec son cul. Fort. Avec mon cul. Ah, c'est bizarre. Ah oui, tout le temps en train de parler de fesses. Pourquoi c'est bien les fesses? C'est bien les bites. La malle, c'est bien. Ça marche aussi. De pornographie. Tu veux parler de pornographie? Non. J'étais tout le temps en train de parler de ça. Ah oui, c'est bien. On devrait mettre interdit au moins de 18 ans. Oui, ça dépend. Parce qu'en fait, si c'est des vidéos sans toi, ça marche pas. Il n'y a pas de pornographie dans les vidéos sans toi. Je sais pas ce que t'as en fait quand je suis là, mais... Eh ouais, c'est ça. Tout chaud, c'est tout. Alerte! Un PD! Si tu me chauffes, j'ai pas... Mais bah non! Bah non! Bah moi... Vas-y, je vais m'éloigner, je pense. En fait, attends. Je suis en garde, attends. Mais à chaque fois, en fait, on a fait... Toi, t'es allé jusqu'en Grèce la dernière fois. Bon, après je suis allé jusqu'à la fin de la Grèce. Après toi t'es allé en Italie. Moi j'ai traversé l'Italie. T'as fait une bonne partie de l'Italie. Toi t'as fait la fin de l'Italie. Et moi je vais arriver en Suisse. Ça fait pas mal hein, quand même. Ça fait du kilomètre. Là je suis sûr qu'on a déjà dû faire... On dirait la pub là. Bah si, vous les zigzags que tu me mets. On a fait 1000 km. 1000 points. Ouais. Donc au total, on est en déficit de toute façon. Non, pas forcément. On va être bien. On va gagner un peu de sous quand même. C'est pas avec 10% que tu vas perdre normalement. Malgré que c'est vrai qu'avec toutes les contraventions que tu t'es pris sur la gueule. Ouais, et surtout que le camion, il faut que tu le répares. Cheat, tu connais pas cheat? Oui, mais quand je te dis en déficit, normalement c'est sans cheat. Hein? Ouais, mais bon, je suis tellement cheat que ça passe. T'es tellement cheat aussi au niveau porno aussi. Ouais, c'est vrai que je suis bien connaisseur là-dedans aussi. Connaisseur juste par vidéo. Bah ouais, le porno c'est des vidéos, ouais, c'est pas. Si, t'as des bouquins, mais bon, j'en ai pas, donc ça va. Il y a aussi la pratique.
club, c'est plus du porno, là. Bah si. Ah non, il y a de la pratique aussi. Mais bon, on parle pas tout à fait de la même chose, c'est pas... Bon, c'est vrai que c'est peu con, en fait, c'est parce que là, je suis... Et ah oui. C'est déjà la troisième vidéo, en fait, que je tourne aujourd'hui, on va dire. Et ouais, j'en ai tourné une ce matin, je t'ai dit. Ouais. Là, c'est toi, quand tu tournes, la deuxième, ça. Oui, mais j'étais quand même là, je pensais, c'est moi qui parlais, je te signale. Hein. Même si ouais, je jouais pas. Tu jouais pas. Tu jouais pas. T'étais pas devant la caméra. Donc là, on est à 5 minutes. Je crois que je suis en Suisse. T'avais la frontière ? Ouais. De toute façon, tu t'es arrêté à 2 km de la frontière. Hein. Donc bon, après c'est vrai que des fois là on peut un peu s'emmerder, on dit pas grand chose des fois. C'est vrai que ça arrive pas souvent, à part quand je lui conduis. Mais bon, là on va essayer de faire un peu... Ah parce que je suis pas habitué. Bah moi je suis habitué, mais c'est vrai que là je suis un peu... Pas pour moi, ça me vient d'un coup là, j'ai la petite qui arrive. Là, je suis à plat, on va dire. T'as bien prendre un monster? Ouais, mais j'en ai pas, j'ai même pas du tout de mon pays. Ah mais c'est bien, c'est bien. Ah moi si je prends un monster, je... Je me rappelle, il y a 3 ans, pack de Monster. 12 canettes de Monster en moins de 4 heures. Ouais. Attends, c'est un ami qui a pris quasiment la moitié. Quoi? Enfin, il a pris plus de canettes. C'est toi qui en as bu plus? Non, il a encore fait 3 canettes. Il en restait plus que 2. Bah, même pas. Mais non, parce que je crois que j'en avais bu une encore après. Voilà. Il n'y en restait plus qu'une. En gros, on avait bu presque toutes nos canettes et toi, t'en avais bu deux de plus. Ah, ça c'est deux, trois de plus. Je sais pas, j'avais quoi, mais c'était super bon. En plus, l'histoire de Monster, c'était un pari, un défi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais. Mais bon, on s'était bien marré. Ouais. On avait passé un bon moment. Donc voilà, en fait, en gros, ce qu'on avait fait. On avait joué King Kong et Bois à marquer des paniers et on misait sur des canettes de Monster. Et puis on avait fait ça parce qu'une fois pour la fête de la musique, donc ça fait presque 3 ans, dans à peu près un mois, dans un peu plus d'un mois, et 3 ans, non, et 11 mois, 2 ans et 11 mois plutôt, pas encore. On avait fait ça pour la fête de la musique. C'était pas mal marré. Bon, on n'était pas rentré super tard non plus. Ah, bon, c'est à cause des 2h du matin, ça va, mais... Ça va encore. Ouais, c'est vrai, c'était pas très violent, mais bon... C'est vrai qu'on s'était pas mal marré à Lyon et tout. Bon, après, le lendemain, j'avais plus de voix. Mais... Oh, j'étais KO. Donc voilà, c'est vrai que le lendemain on était out parce qu'en plus je crois que c'était un jour de cours où on était déjà en vacances, je m'en rappelle. On était en vacances. Ah oui, si, on était en vacances le 18, je crois, quelques jours avant. Et ouais. Donc voilà, franchement, on vous évoque des trucs, mais c'est énorme. Des choses dont vous en avez certainement rien à foutre. Ou pas. Ah, ça dépend. Généralement, ils en ont rien à foutre, des trucs comme ça. Mais bon, après, je vais lui couper la route, ami. Tiens, casse-toi, et nous. Ah oui, mais j'ai pas eu de dégâts. Il a pas eu de dégâts. J'ai pas eu de prime. Attends, MF7. J'ai pas eu de prime, de 5 de dit. Non. F7. Ah, 11. Ah, comment elle a pris un pourcentage? Maintenant, on parle maintenant? On parle? Toi, je te signale que t'as dû en prendre plus d'un aussi, hein, comme ça. Hein. Non. Ouais. Non, j'ai pas pris. Vu qu'en plus il les affiche pas. Ah non, mais moi j'ai pas fait comme ça. Ça c'est bien, t'as vu? Surtout qu'en plus il les affiche pas, donc. J'ai un bourré qui est en train de conduire un camion. Pourquoi? Il conduit droit, non pas. Là, oui, à peu près.
Bah déjà j'ai un meilleur volant, je pense que je conduirai un peu plus droit alors. Même s'il est pas trop dégueulasse, ça passe encore, mais pas pour ce jeu-là. Franchement, ce jeu-là, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Pas comme mon camper. De quoi ton truc on a petit là? Non, mon camper. J'ai l'autre camper. J'ai l'autre là avec le Playdown. Mais le vieux est... volant comme le tien. Il a la même rotation, ouais. Donc voilà, c'est de la merde. Et mais voilà quoi, il est encore plus merdique que. Gros bug là. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je préfère un petit volant à 900 degrés et puis là on serait tout le monde, on serait tranquille. Quoi. D'ailleurs, si il y a une map là que j'ai envie de vous présenter, après le lycée bien sûr, si elle fonctionne, il n'y a pas un décalage avec la caméra. Avec la. De quoi il n'y a pas un décalage avec la caméra, parce que je pense. Mais non, il n'y a pas de décalage. Si. Il y a un micro décalage. Il y a un micro décalage. Je pensais pas que c'était comme ça, mais bon, c'est bizarre. Non, mais pas au niveau de la caméra, mais au niveau de la route. Parce que je pensais qu'en fait, c'était deux routes qui. Mais en fait. Donc voilà, après, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, à vous abonner à ma chaîne YouTube. À liker. Si vous ne l'êtes pas, à liker aussi, à partager aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. etc. tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez partager. Normalement, vous pouvez partager, je pense, sur tous les réseaux sociaux. Normalement, à peu près, tous ceux que je connais. Hein. Après, vous pouvez aussi mettre un follow ou un j'aime sur Twitter, Facebook, sur des pages, et Google+. Bon, Google Plus, c'est pas celui que j'affectionne le plus. Mais c'est déjà mais ça. Mais c'est celui que je contrôle le mieux. C'est con, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, Facebook, je sais pas pourquoi, je sais pas aussi comment les autres font pour mettre directement en fait leur lien sur Facebook, sur leur page Facebook. Moi, j'y arrive pas. Il n'y a pas de lien instantané en fait dès que je mets une vidéo en ligne. Sur Twitter, ça marche. D'ailleurs, j'ai déjà un follow sur Twitter, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, en gros, mais je sais pas comment ça marche sur Facebook. Parce qu'en gros, je pourrais faire avec une page, avec une. Un compte Facebook, mais pas avec une page. Tu peux regarder sur YouTube aussi, non? Ah, ça va t'aider, je pense. De quoi? Il n'y a pas de truc sur la gestion d'une page Facebook. Bah, tu tapes sur YouTube, comment. Truc là, il n'y a pas de truc, je t'ai dit, j'ai déjà cherché, hein, t'inquiète pas. Mais bon, après, je sais pas si vous savez si certains youtubeurs peut-être regardent cette vidéo, n'hésitez pas peut-être à m'aider parce que là, c'est vrai que je sais pas pourquoi en fait. Après, c'est peut-être en fait avec un certain nombre d'abonnés qu'on peut avoir cette aide là, on va dire, de pouvoir. De pouvoir mettre ces vidéos un lien direct, j'aime bien ce tunnel, il est joli, directement sur une page Facebook. Je sais pas si ça se fait ou pas, mais bon, ouais. C'est vrai que je l'aime bien ce petit Peterbilt, c'est le Peterbilt W380, je sais plus combien, 395 peut-être. Tu pourrais te renseigner, hein, avant de quoi de parler. Par rapport à mon Peterbilt. Ouais. Alors, c'est. Ah non, c'est 379. Voilà. C'est pareil. Peterbilt 379 Active Active Space Super. Et je pense qu'on n'aura même pas besoin de remettre du carbu jusqu'à la fin. Aïe, on va voir. Bravo! Oh, bravo! Voilà, j'ai fait tes dégâts, tu vois. Donc encore, j'ai fait que 3 de dégâts. Hein. Vas-y, attends. Non, mais. Mais bon, on va même pas avoir besoin de. On va même pas avoir besoin de faire plein. Attends, mais elle sait. Mais c'est bon, là. La remarque, elle a que dalle. Ah, je kiffe. Ah, ça va, je suis content. Toi, tu es content. Est-ce que j'ai fait des dégâts pour toi?
Bon, en plus, j'ai fait exprès. Mais aussi, attends. Toi, t'as pas fait exprès. Moi, j'étais même pas en train de conduire à ce moment-là. C'est ça, ah, l'excuse, ouais. L'excuse. Moi, je m'en fous perso, je sais que je joue pas super bien. Mais j'ai le désavantage du matos contre moi, donc ça va. Bon, tu l'avais aussi. Toi, ton matos encore est encore plus. Il est meilleur que le mien. Oui, mais toi, tu fais pas de vidéo alors. Je joue au clavier à Eurotrack. C'est un peu plus difficile. Il y a un autre tunnel. Il y a un radar. Ouais, je vais pas le prendre le radar. Et puis, de toute façon, je vais devoir ralentir. Je vais devoir passer en face pour aller dans un tunnel. Ah ouais, à cause des travaux. Ça serait pas mal si il y aura un truc dynamique, on va dire. Je sais pas comment dire ça. En gros, que les travaux, au bout d'un moment, peuvent s'enlever. Et après, ça libère un passage normal. Je pense que ça sera sur la mise à jour. La prochaine. Pourquoi sur la prochaine? T'es malade, toi. Ah oui, mais toi, t'as lancé une version, toi, encore. Mais non, ils le feront jamais, ça. Attends, ça y est depuis le début, c'est comme ça. Il y a des travaux à certains endroits et puis après t'as plus rien. Par contre, c'est vrai qu'ils ont vachement amélioré l'aspect graphique. Ça, j'avoue que. Plus ça va, plus il devient joli, plus ça va, plus ma batterie elle. Mais bon. Et t'en as pas marre de faire. Pourquoi? Je sais pas. Il y a des mots pour ces trucs. Tu es pas en couille si tu préfères. C'est un peu vieux, mais peut mieux faire. Donc là, on y va, on dit il est minuit, on va y arriver. Dans combien de temps on va te faire dodo? C'est pas minuit. Bah, et, 23h45. Là, on ne tente pas la vidéo de minuit, c'est une chose. Sinon, on gueulerait partout, mais c'est pas grave. Vous avez rien en plus, je suis pas là. Tu y as été déjà. Hein? T'as déjà été? Ouais, aussi. Oui. Pour tourner une vidéo, c'est largement suffisant. Quoi tu penses? Petit pervers là. Non, j'ai dit petit cochon. Parce que juste. Ouais, c'est ça. Non, regarde, je fais A parce que je m'ennuie. Ah et bon? Toi, oui. Ah bon? Et toi, t'as pensé directement à un truc de travers. Bah ouais, parce que ta façon de faire A, ça. Sinon. Si ça paraissait du coup pervers, chaud, ça serait... Là, ça serait pervers. Non, c'était peut-être pas pervers, bon. Si. Mais... Bah, ça serait pervers, mais je l'ai pas fait ce soir. Mais bon, c'est pas grave, bon. Tu peux faire ce que tu veux, hein, avec tes fesses. Personne qui touche mes fesses. Et si tu fais une coloscopie, ils vont faire comment? Ah, pas en rêve. Juste dans ma famille d'abord, histoire de... Donc tu crois que ta mère, elle les a pas touchées tes fesses? Ça c'est ma mère, hein. Ah ouais. Ben, voilà. Ta femme aussi, elle les a pas touchées tes fesses? Ou tes copines? Eux, c'est qu'ils voyaient pas, ils te voyaient pas, donc... Donc voilà. Faut rien dire. Elles t'ont pas mis des concombres dans les fesses, aussi? Je pense que c'est ton fantasme. Ça. Ah ouais, non. Je m'éloigne encore plus. Ça me fait juste penser à un film, c'est le concombre dans les fesses. Non, un film normal. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Tu connais pas Fatal le film avec Michael Youn? Si, mais après d'un coup, on voit pas carrément. Bah oui. Mais non, mais c'est voilà. C'est ça. Et toi, t'es en train de penser à ça. Non, je veux rien savoir. Ouais, c'est à ça que ça me fait penser à un film. C'est ça. Le pire, c'est que c'est exactement comme dans le film, hein. Un concombre dans les fesses, quoi, c'est tout. C'est vrai, oh, doucement. Attends, on en est où, là? T'en as pas marre de faire ça? Ah, il est arrivé en France, disons. Eh ben, je m'en fous. Genre, il s'en fout complètement, c'est mytho. Ah, c'est gros mytho. En fait, je m'en fous pas... Enfin, je m'en fous à moitié, sérieusement. Mais, je vais terminer le convoi. Ou pas. De toute façon, je m'en fous.
Parce que de toute façon, si elle se peut, je vais finir le convoi tout seul parce que t'as dit ça en bled, c'est pas lourd. Ou pas, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je croyais que tu devais aller au bled avec ta robe. C'est pas sûr, non, c'est pas sûr. Parce que déjà, il faut que je repasse ma carte d'identité. Encore? Ah, mais tu l'as pas refait. Mais pourquoi tu la repasses pas? Oui, mais pour 25 euros de timbre. Et il manque juste de timbre. 25 euros de timbre? Ouais. Bah putain! Et il faut 5 euros, il me reste encore 5 euros de timbre parce que j'ai perdu le timbre de 5 euros. Pourquoi il faut 25 euros? Bah pour refaire la carte d'identité. Ah bon? Ah oui. Putain, 25 euros de timbre? Ouais. Ah, ils sont généreux! Putain, le jour où je vois un timbre à 25 euros. Oh, c'est pas un timbre, c'est un timbre à 20 euros et un timbre à 5 euros. C'est putain, ça qui... Oh, le timbre à 20 euros, c'est pour transporter le stig, non? Non, il comprend pas. Je pense que je vais sortir. T'as pas compris? Si, j'ai compris. Parce que pour 20 euros, je suis sûr que tu peux transporter un stig. Il y a l'équivalent, quoi, je veux dire. Oui, je vois. En gros, ben, ça veut dire 80 kilos, quoi. 80 kilos quoi, une boîte de 80 kilos, tu dois pouvoir transporter pour, ça avec 20 balles. Hein. Oui, mais après d'un coup, c'est l'identité française, bien sûr. Et alors, tu l'avais, oui, tu l'aurais fait ça. Parce qu'elle aurait expiré, tu n'aurais rien payé du tout. Oui, mais oui, et justement, parce que je l'ai perdu, enfin, on l'a volé. Ce c'est ce il y a un comme quoi qui traverse, qui vit avec ton nom, ton prénom et ton adresse. Non, c'est pas ton adresse, mais... Non, mon adresse, ça reste mon adresse. Ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Ah ben c'est possible. S'il a ta carte d'identité. Et même ton adresse aussi. Parce que finalement, il s'en fout, il te présente ta carte d'identité aussi. Puis c'est toi qui l'as. Ouais, mais vu que j'ai porté plainte. Hein? C'est malin. Ah, voilà. Et après il a juste à changer la photo et puis c'est bon. Et oui. Alors, ici, c'est fini. On va bientôt à expiration de la carte SD. Ah, c'est bientôt fini. C'est comme chaque vidéo quasiment. Oui, mais non, là c'est différent parce que ça t'est prévu. Et puis de toute façon, j'avais pas vraiment le choix non plus. Donc on est à 22 minutes à peu près. Donc j'ai le droit encore à 20-22 minutes. Sur une autre carte SD. Ah. Vous savez, ça fait bien avec le bruitage. J'en ai un bourré. Un bourré? Un bourré. Un bourré. C'est même pas la peine de parler avec lui parce que. Ah, ça va bien plus loin que ce que je pensais. Hein. 22 minutes, c'est pas mal. Allez, putain, c'est quand que tu termines là? Histoire que je m'arrête complètement. Et puis. Laisse-le avancer. Quoi? Non, mais je te parle de la caméra. Et moi, je te parle de la caméra aussi. Ah bon, laisse-le avancer. Et après je vais tout couper, je vais la mettre à changer en même temps. Comme ça on a... Ouais aussi. Déjà elle tient bien, hein. Moi je pensais qu'elle serait déjà... Et en fait tu l'as pas déchargée avant. Bah je l'ai utilisée 20 minutes matin. Non mais non, dès que je l'ai acheté. Tu l'as pas déchargée complètement. Mais je l'ai acheté d'occasion. Et salut les amis, donc on se retrouve pour la fin d'Eurotruck, de cette partie du DLC, tout simplement. Donc on va... continuer sur ce petit bout là. Re-salut. Voilà, j'espère que la petite coupure vous a pas trop fait chier. C'était prévu, mais bon, pas trop non. Moi, elle m'a fait chier quand même. Et bah, votre toilette. Fallait pas la sortir, ça. Ouais, bah, tu m'as obligé à la sortir, donc. Ça veut dire que j'ai pas craché. Ça prouve que t'es bête. J'ai pas craché. J'ai pas craché. Ah, j'allais me cracher, donc je me suis pas craché. Ah, parce que comment tu tournes tout à l'heure? Bah, parce qu'il fallait que j'aille là, fallait que j'éteigne là-bas, fallait tout que je fasse. Je pouvais pas tout faire. Prendre soin de la route. Tu prends soin de la route, toi? Bah, ouais, ma conduite, ouais. Tu prends soin de la route. D'accord. Ouais, tu prends soin de la route quand tu conduis comme il faut. Parce que si tu te craches, ça fait des débris de partout. Donc tu prends pas soin de la route. Et en plus t'abîmes la route. Comme c'est dans le jeu. Mais en réalité, voilà, oui, c'est ouais, avant le jeu, c'est pas. Mais en réalité, tu prends soin de la route. Ouais, mais là, c'est pas la réalité. Mais bon, on va dire que c'est comme si, bordel, putain.
putain de bordel de merde. Bordel de caca de putain. Voilà une gueule. C'est mon syndrome de la tourette qui revient. Carte. Non, je m'appelle pas. Carte. Tu m'appelles pas. Comment il s'appelle déjà? Soprano. Je t'en pas la carte. Je m'en rappelle d'un truc. Ah, encore ouais. Ouais. C'était. Cochon, encore je parie. C'est bien. T'as vu tout le temps un truc. Non, toi tu penses tout le temps un truc cochon alors que moi je me rappelle du salon de l'auto. Où? À Genève? Non. Tu te rappelles quand. Ouais, quand on était à nous trois. Oui, bah oui, mais j'y suis allé qu'une fois au salon d'auto et c'était qu'avec vous trois, vous deux. Oui, oui, mais je te rappelle. Oui, je m'en rappelle. Et qu'est-ce qui s'est passé au karting? Il s'est passé que c'était la première fois que je prenais le volant déjà. D'une. Et de deux? Et de deux, j'ai eu un petit accrochage. Un petit? Ah oui, un petit. Ah non. T'as jamais eu de petits pas... accrochages? Non. Là, c'était pas un petit. Mais après, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Hein. Surtout qu'il y a que. Mais n'empêche que. Surtout qu'il y a que deux pédales. Ah, sur un karting. Tu pédales toi-même. C'est vrai que c'est dommage que j'aimerais bien faire. Comment je prends du dégât là, putain? Ça, ça compte parce pas. Parce que tu. Regarde. Mais je tape pas, je touche pas là. Si tu touches avec ta remorque, le début oui, de ta remorque. Non. Tu rafles, si. Si, t'as raflé avec ta remorque. Oui, mais c'est mon camion qui a plus pris que ma remorque. Bon, là, j'ai tapé. 12%. Bon, espérons qu'on va pouvoir au moins en tirer quelque chose. Ça montre que j'ai mon convoi parce que putain je m'en fous du camion franchement. Ouais, avec les cheat engines ça y est. En fait faudrait supprimer le cheat engine. Là je m'en sers pas hein, dans certaines parties. Je m'en sers pas dans certaines parties, c'est bon. Tu regardes ma tête là. Bon, je vous conseille pas de la regarder parce que ça fait peur. Vous connaissez So ou comment ça s'appelle, Final Fantasy, un truc comme ça, et ben ça ressemble un peu à ça en fait, tout mélangé en même temps. Le c'est l'exorciste. Il y a un dégueulasse dans l'exorciste. C'est limite du Winnie l'ourson. Même Winnie l'ourson c'est plus dangereux que l'exorciste. On voit le professionnel de Winnie l'ourson. Même si j'ai jamais regardé Winnie l'ourson. C'est ça. Je te dis, j'ai peut-être regardé une fois et encore. Je sais même pas ce que c'est Winnie l'ourson. Tu crois t'en parles? Je sais pas parce que c'est vrai. Winnie l'ourson c'est plus dangereux que l'exorciste. Je suis allé voir un truc dans ce genre là mais. Ça veut dire t'as regardé Winnie l'ourson. Voilà, oui, tu sais. J'ai dû regarder un épisode. Voilà, voilà c'est moi, mieux déjà. C'était pas moi qui le regardais. Quand même regarder. T'as bien regardé Dora l'exploratrice? Enfin, je dis rien. Moi, je l'avoue, parce qu'il y a ma petite sœur qui regarde. Et ben voilà, ben moi c'est pareil. Et ben voilà, mais moi j'avoue, je cache pas la vérité. Et moi aussi, je te dis que j'ai dû regarder un épisode. Au début, t'as caché. Non, je t'ai dit, j'ai peut-être regardé un épisode. Non, au début, t'as dit non, j'ai pas regardé. Ou peut-être un épisode. Voilà. Peut-être, voilà, mais là, tu te réquilles. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu te justifies, non. Je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bon, dites-nous dans le chat ce qui s'est vraiment passé. Vous l'avez vu et vous pouvez le revoir 50 fois. Si c'est lui qui a raison, King Kong Simulator, vous marquez soit King Kong Simulator, soit MM Simulator. Et ouais, t'as bien pensé, t'as pensé à rectifier. Non, j'ai rien rectifié du tout. Et puis celui qui a tort, toujours à ma gauche. C'est toi? C'est toi qui as ma gauche là. Oui, mais pas dans la vidéo. Oui, mais c'est toi qui as ma gauche. Là, pour l'instant, t'es à ma gauche. Voilà. Et celui qui a tort, eh ben, il finira. Ben, celui qui a raison, il finira le convoi. De toute façon, je termine le convoi coûte que coûte. À part, c'était pas là. Ah aussi, mais c'est la triche. Ouais, mais si t'es pas là, je peux finir le convoi tout seul demain si je veux.
Vous voyez, il est méchant. Je suis pas méchant, je suis un enfoiré, c'est tout. Ça m'arrive pas. C'est ça l'enfoiré que tu es donc. C'est très bien que je peux être un grand enfoiré, c'est ça. Pas plus que moi. Tu rigoles. Carton. Parce que si tu veux, demain je commence un let's play sur Toilette Simulator. Sur Toilette Simulator. Ah, tu vois, je touche là alors que je touche nulle part. Mais si, regarde ta remorque. Elle touche pas. Elle a raflé. Elle touche pas. Elle rafle. Là, elle touche pas. Mais tout à l'heure, elle a. Mais c'est l'avant de mon camion qui touche. Nya. Allez, il pèse, hein, il regarde ouais, pas. Ouais, c'est ça, oui. Tu regardes pas. Moi, je regarde devant moi, je regarde pas derrière. Mais allez, regarde, tu vois, regarde. C'est l'avant de mon camion. Non, c'est pas l'avant de ton camion. Il est con en plus. Regarde, c'est mon camion qui prend des dégâts. Parce que c'est ta remorque qui touche et alors, la barricade et l'arrière de ton si c'est camion. Ma remorque, c'est ma remorque qui prend des dégâts par mon camion. C'est l'arrière de ton camion qui subit. Donc ton camion subit. Allez, on est bientôt en France là, les gars. Je sais pas où, mais on est bientôt en France. Bah, on vient maintenant en France. Ferme ma tête. Non, c'est, oui. C'est français là. T'es en train de. Gros pervers. Et alors Bête. Non, on est bien plus vite. Salut les flics. J'espère qu'on n'a pas poussé à la caméra. Ouais, ils ont peut-être vu un petit bout de doigt. Salut le radar, vidéo. Faut l'arrêter. Ouah, pourquoi qu'on fasse un jeu? Faut le fuck. Ils ont pas le droit. Liberté d'expression. Liberté d'expression, tu rigoles là? De quoi? Liberté d'expression. Moi aussi je peux dire. Ouais, t'as dit. La. La bite? Alors, on est en France là, on va arriver en France, on va arriver en France. J'ai passé la frontière française. Oui, je suis pas en France là. Mais bon, on va arrêter d'insulter, hein. Surtout un mec qui se cure. Et voilà, on est en France. Tu sais, je te dis que c'est moi qui passe quand même la frontière française. Bah, je m'en fous, en tout cas, moi je vais terminer le convoi. Pas. Y a pas d'où pas. Il reste plus que 600 km mon petit. Ouais, 600 km en 10 heures. Quoi? Oui, il reste plus que 600 km. Oui, en 10 heures et. J'ai 16 minutes. Bah peut-être, ça dépend de combien. Ouais, en une vidéo d'une demi-heure, je passe 3 heures. Ouais, et alors? Donc il reste 2 vidéos en fait. Un peu moins. Il prend pas le terrain en tout cas. Et là si, c'est bien ou non? Là, si. Parce que ça fait une vidéo pour toi, Kira, tu feras la moitié de ce qui reste. Et une vidéo plus que la moitié. Et une vidéo non. Pour moi. Non. De toute façon, je vois, il reste encore 200-300 km. Je prends de boulot. Ouais, mais s'il n'y a plus de place sur la caméra, tu fais comment? Bah je m'en fous, je tourne comme ça sans face. Sans fesses? Encore, sans. Sans fesses? Sans fesses? Tu tournes sans fesses? Tu fais ton aise. Tu en as. Ouais, surtout quand on s'appelle. Tronche de Gogol. Parle pas de toi comme ça. T'as de la chance, t'es pas en face de la caméra, c'est mon principe. C'est toi la tronche de Gogol. C'est bien, mais bon. Vanille. Bon, donc j'espère aussi que ce que. Ah ouais, mais ça va être un petit peu tard. Quoi? Pour parler de ce que je veux parler, ça va être un petit peu tard. Alors, c'est toi. Chut. Par rapport à la vidéo. Le jeu que je vous ai présenté il y a quelques semaines, Cabalaz,
N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur cette vidéo, je ne vous ai peut-être pas dit. Pour me dire si vous aimez bien cette façon de commenter en fait la position de la caméra, parce qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et c'est ça qui pose question pour l'instant. Parce que peut-être que pour faire un mime déjà, je prendrais cette façon de filmer. En gros, je ne me mettrais pas comme là en diagonale, mais en face, ce sera peut-être mieux. Peut-être un peu plus haut, mais plus en vraiment en diagonale, où je serai plus en face, on va dire. Et voilà, en gros, c'est ça que je voulais savoir, si vraiment ça vous plaisait ou pas. Donc même si vous voulez, vous pouvez mettre un commentaire sur cette vidéo. Si ça vous plaît plus, je ferai pour tout ce qui est farming, tout ce qui joue à la manette, je le ferai en face, en face-face, on va dire. Mais tout ce qui est Euro Truck, tout ce qui joue au volant, je le ferai plutôt sur le côté, parce que en fait le truc c'est que si j'y mets en face vraiment, où j'aurai pas mon volant qui va taper dans tous les sens, donc voilà, parce qu'en gros la table bouge vraiment beaucoup quand je tourne, et ça peut faire bouger la caméra et ça ferait des trucs vraiment dégueulasses. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est Euro Truck, tout ce qui joue au volant, je resterai comme ça. Mais peut-être que avec certains jeux, je passerai autrement, on va dire. Et là, ça fait plus qu'une demi-heure que tu dois. Ouais. C'est 25 minutes d'avance. 35. Si c'est pas calculé, ça c'est grave. Ouais, 25. Ouais, plus que toi. Et ça, c'est sûr. Pourtant, j'ai pas fait un an. Ouais, moi j'ai passé chez mes cours. J'en avais marre des cours. Ouais, ouais. C'est sûr qu'on avait pas marre des cours pornographiques. Bah, si ça existe, je sais pas si ça existe, ça doit se faire. Hein. Je pense que ça doit se faire. Hein. T'as bien cherché sur internet ou pas? Bon, si tu veux. Non, ouais, non, moi je, veux pas. Moi. On ira chercher après. On fait la vidéo. Non! Lag, sa mère. Et tout à l'heure ça lag et c'est maintenant que tu remarques. Ben je te regarde, je regarde la caméra, je regarde l'ordi, je peux pas tout regarder en même temps, tu vois. Même si bon, ça m'arrive, hein, mais. Là tu vas dire que t'es super mal aussi. De quoi? C'est bizarre. Je vais pas la sortir parce que je suis pas bizarre. T'es bizarroïde. Dites-le, hein, c'est vraiment tac, chiant. Tac, ouais, je suis chiant tout simplement, ils vont changer de vidéo, ça va être plus simple. Mais bon. Ah, mais faut l'écrire en commentaire aussi. Ouais, comme ça j'invite plus Guillaume. Dans mes vidéos, bien sûr. Parce que moi, c'est qui a regardé le plus de Guillaume. T'as regardé le plus de Guillaume? Je sais pas, j'ai pas Canal Plus. J'ai jamais regardé ce truc. T'as jamais regardé les vidéos de l'info? Sérieux? Ah ouais, c'est vrai que moi j'ai dû regarder. Quand c'était en clair, c'était pas ça en fait. T'as pas dit. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait un peu penser à ce qu'il y a sur la Lune en ce moment, c'est bien toute la semaine. Tu sais, comment ça s'appelle? Après le 20h. C'est quand? C'est pas quand? Ça fait un peu penser à ça, on va dire, mais avec différents marionnettes et tout. Mais bon, on va dire que c'est plutôt sympathique. Ça reste sympathique. Mais qu'est-ce que t'as là, putain, avec sympathie? J'aime bien faire chier, j'aime bien faire chier. Putain, tu fais chier avec sympathie. Oui, c'est pour ça, j'aime bien faire chier. Bon, j'espère qu'il va pas avoir des trucs à la con là. Des sorties de. Tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, là, de fois où j'ai pris des dégâts. En gros, moi j'aurais pas eu de dégâts. Ah si, j'ai eu des dégâts du début là. Ouais.
J'ai eu 2% de dégâts, 3% de dégâts. Ouais. Sinon j'aurais pas eu de dégâts du tout. Et c'était même pas volontaire en plus. Ouais, le coup t'as pas de dégâts. Alors que toi t'as eu des dégâts volontaires. C'est justement le but, hein. Ah, pas là si voir, tu hein. veux un multi, on fera des dégâts volontaires. Non c'est bon, ça, ça me vend. Sinon tu peux jouer à Bimenji Drive. Quoi? Tu t'appelles pour moi, tu l'as regardé cette vidéo. Ah merde, il faut que je fasse le tour. Bon, on va s'arrêter à la prochaine station service. Oh chérie, oh chérie, chérie, oh pretty curry. Ah, j'ai pas pu sur le bouton. Et non. Ah, je pense à la Strasbourg. Au pire, répare ton camion après. Le truc, c'est qu'à Strasbourg, je peux faire ma sieste. Ouais, et tu peux réparer ton camion. Aussi. Mais après, tu râleras plus parce qu'il va s'arrêter de prendre en route, non. Je râle. Hein. Moi, je m'en fous, c'est pour mon camion. Mais je râle quand mais moi non plus, c'est le mien, mais. Ah ouais, bah voilà. Alors, mais je peux le réparer quand je veux et où je veux et comme je veux, donc je m'en fous. Hein, passer 3 minutes de plus ou 3 minutes de moins sur la route, ça m'en fout. Tiens, donc voilà, oh putain. Bon. T'as pas une barre de céréales, donc pourquoi pas non plus. Donc voilà, après n'hésitez franchement pas à me dire ce. Même c'est pas les mêmes. Ce que vous pensez de nos vidéos. Ah mais il y en a une là. Ah il y a une station. Il y a un péage là. C'est le péage de base. Ouais, non, on va pas trouver la station. Ah, de toute façon tu vas payer des femmes en plus. Pourquoi? Ah il y a de la bonne là. Toujours moins que toi t'en as eu. On verra pas. Mon cri dessus il y a moi mais connard. Tu m'as toujours appris à ne pas parler de la bouche pleine. Là j'ai repris ma pêche. Allez, non, si ça fait pas effet tout de suite. On m'a dit de prendre du moins cher, tiens. C'était quoi dans ce cas? Le mieux c'est la burn. Mais bon, là on n'est pas en train de parler de boissons énergisantes, là on est en train de rouler. Et donc parlons de camion. Tu roules tout le temps? Ah ouais je roule. C'est vraiment dégueulasse quoi. Donc là on va finir, donc je vais m'arrêter en fait au... Ah j'ai fait plus de temps que toi en fait, là je vais faire 40, j'en fais 42 minutes. Ouais t'avais plus de temps que moi. C'est toi heureux, tu pourras peut-être finir. Non. Ah de toute façon ça change rien. Hein. Là on est à 500 km là. C'est pas conduire. Et toi, sœur, c'est conduire? Ouais. Et ton frère, c'est conduire? Ah bon? Bah non. Voilà. Il va partager, je crois. Qui? C'est là derrière. Ah non. Il est toujours derrière. Je suis. Doucement. Oui. Donc voilà, on va pas tarder à s'y arrêter. On va aller jusqu'à la... au péage. Au péage? Bah oui. Je vais faire ma petite sieste. Si vraiment ça passe pas, on ira à la station service.
Mais peut-être en vidéo, pas en vidéo. Non, parce que c'est pas juste. Bah, tu loupes 4 km. 4 km. Il nous reste plus que 500 km avant d'arriver. Moi, je vous dis, les gars, on est chaud. T'es chaud, toi? Non, moi, je suis un petit. Jusque là, on va peut-être profiter un peu du joli temps qu'on a. Non, mais toi, tu peux pas marcher, de toute façon. Si, je peux marcher. J'ai mes pieds, quand même. Ouais, mais t'es pas droit. Faut que tu peux éviter. Ouais, je vais éviter. On a 44 minutes. Bon. Vous êtes fatigué. Merci, saloperie. Mais n'empêche que toi, tu t'es pris plus d'amendes que moi. Parce que toi, tu t'es pris 2 amendes de fatigue. Moi, je m'en suis pris qu'une. Et puis, tu as eu 2 ou 3 dégâts. Enfin, 2 ou 3 accidents. Avec des voitures. Où tu as pris une amende. J'ai pris une amende d'accident. C'est ça, ouais. Et en plus, tu as pris une amende pour excès de vitesse. Non, mais je m'en fous de l'excès de vitesse. Ça compte pas. Ouais, c'est ça, ça compte pas. Je vais faire le plus rapide possible. Bah, avant de ça, bah, pour faire ça. Non, j'ai eu 2-3 amendes d'excès de vitesse. Pour ça, faut une amende de. Faut enlever le limitateur de vitesse. Hein, pour bien. Le plus vite. C'est bien comme ça. Avec le limitateur? Non, sans. Mais bah oui, mais là on a le limitateur. C'est ballot pour toi. C'est sérieux, hein? Bah oui, on avait le. Ah, il a cartonné. Ouais, mais j'ai pas fait de dégâts. Donc... Bah regarde. Je t'ai dit, on a pas fait de dégâts. Si. Non, on était 1%. À 20. Non, on était à 20. Non, le 1%, je l'ai fait dans le dernier. Dans la dernière bretelle. Que j'ai prise là, le petit. C'est là que j'ai fait 21%. Eh oui, mon petit mammouth. Je t'apprends comment ça fait le papa. Ah, t'as pas encore dit. Qu'est-ce que t'en sais? T'es avec moi? T'as pas de coup. J'ai pas de coup? Comment j'ai pas de coup? J'ai pas de coup. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, ça marche. Ouais, là, bizarrement, il se fait pas de l'autre côté. Hein? Je peux être un cas. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite à tous de passer un bon moment en ma compagnie ou pas. En sa compagnie aussi, en fait, c'est lui qui fait les vidéos, mais c'est rare. Voilà, surtout que lui, il ne les fait même pas en vocal. Pas pour l'instant. Compagnie, pour l'instant. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon moment, soit avec votre famille, avec vos amis, avec tout le reste. Faites attention à vos amis, c'est important. Ouais. C'est la seule chose qu'on peut choisir dans la vie. Qui soit important, bien sûr. On peut choisir autre chose aussi. Si tu parles de femme, tu peux les choisir, mais ce sera ton ami avant d'être ta gonzesse, quoi. Non. Bah si. Non. Si, tu ça vas dire. Ça peut être ta gonzesse d'un coup. Tu demandes, et bah alors. C'est tout. Bah voilà, mais ça peut pas être. Enfin, ça peut être aussi une amie, mais non. Ça peut être aussi ta gonzesse d'un coup, non. Comme tu dis, gonzesse. Donc on va se quitter là. Moi, je vous dis à plus. Ciao. Peace.